Entrez. Ah, c'est vous, Rogan. Et asseyez-vous. J'ai à vous parler. Merci. Mais je vous écoute, monsieur le directeur. Avez-vous entendu parler de l'affaire Melchor? Vaguement, oui. Mais, eh bien, vous allez avoir l'occasion de compléter vos connaissances. Je vous la confirme. Ah, je vous en remercie, monsieur le directeur. Vous ne me remercierez plus quand vous la connaîtrez mieux. En fait, c'est un véritable casse-tête. Si vous voulez mettre le conseil d'administration de notre compagnie en ébullition, vous n'avez qu'à lui en parler. Mais ce Melchor a été écrasé par le camion d'un de nos assurés, je crois. Plutôt ciel qu'il ait été vraiment écrasé. Et comment ça? Au moins, on saurait où l'on va et nous aurions une situation franche. Et dans ces cas-là, on verse l'indemnité aux héritiers et on n'en parle plus. Et en ce qui concerne Melchor, je crois même qu'il n'a pas d'héritier du tout. S'il aurait encore amélioré la situation, convenez-en. Oui, j'en conviens. Mais il est vivant, autant que je sache. Eh bien, vivant. Il nous réclame, à nous, assureurs du camion, la modeste somme d'un quart de million de dollars. Fiche. Ouais. Mais comment ça s'est passé? Melchor se trouvait sur le trottoir. Oui. Et il ne traversait même pas une rue. Par conséquent, on n'avait rien à lui reprocher, aucune négligence. Encore un point en sa faveur. Mais les freins du camion lâchèrent, la voiture monta sur le trottoir et épingla Melchor contre un mur de briques. Et il s'en est sorti? Sans une égratignure. Il n'y a pas de petit complot avec le conducteur du camion? Oh, rien, rien. Nous avons vérifié. Oui. Et puis, vous verriez l'engin, non, c'est pas le genre de voiture qu'on peut utiliser pour mettre en scène un accident truqué. Un mastodonte de cette taille, quand c'est lancé, il faut un fameux mur pour l'arrêter. Oh, ça, logiquement, Melchor aurait dû être réduit en bouillie. Mais il en a été quitte pour la peur. Mais, alors pourquoi réclame-t-il une somme pareille? Parce que ça vaudrait à tout casser, je sais pas, 2000 dollars pour souffrance mentale. Et voilà. Voilà, nous y sommes. Il prétend qu'à la suite du choc, il a été atteint de paralysie généralisée. Ah, oui. Naturellement, vous l'avez fait examiner. À l'heure actuelle, il est passé entre les mains d'une bonne douzaine de médecins et de neurologues. Oui. Alors, ils ont parlé de nerfs écrasés, ont émis des suppositions savantes. Enfin, même avec un quart de million de dollars en jeu, on peut tout de même pas aller tailler dans la chair humaine pour voir exactement ce qui s'y passe, quoi. Si nous avions tenté de le faire, la somme à payer aurait été encore plus importante. Mais il est complètement paralysé? Il parle et bouge la tête. Et le reste est immobile. Oui. Vous l'avez surveillé? Mais sans arrêt, sans arrêt. Mais jamais nous n'avons pu le prendre en défaut. Même pas à l'hôpital, nous l'avons espionné. Personnellement, j'ai soudoyé une infirmière pour qu'elle l'ait à l'œil. À un moment donné, nous nous sommes débrouillés pour installer une cellule photoélectrique dans sa chambre pour le coincer quand il s'y trouvait sans témoin. Et alors? Eh bien, pas une seule fois. Vous m'entendez, Rogan? Pas une seule fois, Paul Melchor n'a bougé un muscle quelque part entre le cou et les pieds. Oui, mais alors, qu'est-ce qui vous fait croire, monsieur le directeur, que vous vous trouvez devant un simulateur? Il faudrait être un acteur extraordinaire pour arriver à jouer ainsi les paralysés devant tant d'experts et de médecins. Pourquoi croyez-vous qu'il vous trompe? Vous allez peut-être me trouver fou, mais en ce cas, tous ceux qui ont touché à cette affaire de près ou de loin le sont aussi. Je me base sur l'impression qu'on éprouve en voyant cet homme. C'est l'opinion générale. Melchor paraît absolument ravi d'avoir été heurté par ce camion. Oui, évidemment, en général, on voit plutôt le contraire. Bon, voyons. Donc, pour que Melchor se montre aussi extatique de se trouver étendu à plat sur le dos, il faut bien qu'il ait une raison. Moi, je dis que c'est parce qu'il nous roule. Bon, là, voilà le dossier, étudiez-le, faites ce que vous pouvez. Et tâchez de trouver une solution rapidement, car l'affaire viendra bientôt devant le tribunal. Quel est le médecin de la compagnie qui l'a examiné? Lazater. Bien, je vous remercie, je vais le voir. Embêtez, Rogan, avec votre histoire Melchor. J'ai rédigé mon rapport, tout est fini désormais. Et si vous croyez que Melchor vous a trompé, ne comptez pas sur moi pour vous apporter des preuves. Non, écoutez, Lazater, vous n'êtes pas à la barre des témoins, là. Cette entrevue n'est pas officielle. Alors, est-ce que Melchor va aussi mal qu'il le prétend? Comment peut-on affirmer quoi que ce soit avec certitude en la matière? Vous semblez oublier quelque chose, Rogan. L'un des meilleurs instruments du diagnostic d'un médecin, c'est ce que le malade lui dit. Oui. Or, si je me base sur l'iter de Melchor, il est en mauvais état. Oui, mais il se trouve justement que Melchor a de fortes raisons de mentir. Il en veut à notre argent.
Et rien n'est plus sujet à caution que ces déclarations. Possible. Mais mon métier ne ressemble pas à celui du juge d'instruction. Sur mon plan professionnel, je pourrais prouver qu'un homme est malade ou blessé. Mais c'est beaucoup plus difficile de prouver qu'il est en bonne santé. Mais pourriez-vous établir qu'il est physiquement impossible à Melkor de marcher? Non. Je ne le pourrais pas. De l'examen que j'ai effectué et de mon intuition, oui. Melkor ne semble pas être atteint de ce genre d'incapacité permanente. Mais je ne peux pas non plus prouver qu'il peut marcher. Oui. Bon, je vois. Merci, Lazater. Vous êtes honnête. Dis-moi, Smithy, c'est toi qui, jusqu'à présent, a enquêté sur Melkor. Parle-moi un peu de ce type. Bah, mon vieux, ce gars-là, il est acteur dans l'âme. Ah bon? Il n'aurait pas dû perdre son temps à être représentant. Ses dons l'appelaient à Hollywood. Il y aurait ramassé des dollars et des Oscars à l'appel. Et maintenant, il nous ferait prosuer. Pourquoi toi aussi, tu penses que c'est du bidon? Bah, tout le monde le pense. Mais même l'accident? Ah non, ça, pas l'accident. Mais après, tout ce qui suit est truqué. Ce gars avait besoin d'argent. Et il a saisi l'occasion au vol. Il a joué les planches à repasser et il faut reconnaître que c'est du beau boulot. Pas une faille dans le scénario. La compagnie a tenté le coup et elle a refusé de payer. Mmh. Eh bien, Melkor s'est pas dégonflé. Il nous a mis un procès sur les bras et il va le gagner. Ça, ça fait pas un pli. Et il est franc dans son genre. Oh, faut le voir. Il jubile ouvertement. Oui, ça, je sais, le patron me l'a dit. Donc, il était représentant, tu dis. Oui, oui. Barrière, outils, tondeuse, enfin tout ce qu'il faut pour le jardin. Oui. Melkor se faisait, avant son accident, entre 100 et 150 dollars par semaine. Nous sommes loin de la fortune. Et est-ce qu'il dépensait beaucoup? Apparemment pas, non. Non. Il habitait une pièce minable. Sa voiture était d'un modèle récent, mais assez usée, car il s'en servait beaucoup pour ses tournées. Peu de garde-robe, peu de dettes. Juste ce qu'il faut pour embêter sa banque, quoi. Enfin, rien à se mettre sous la dent. Et l'alcool, le jeu, les femmes... Il fréquentait une chanteuse. Ah bon, qui ça? Gay France. Et elle est bien? Une blonde ravissante, oui. Mais elle chante comme une seringue enrouée. Oui, j'ai jamais rencontré de seringue enrouée. Où travaille-t-elle? À l'Oasis, une boîte de Greenwich Village. Bon, bah, je vais aller la voir. Merci. Nous avons un ami commun, Paul Melkor. Oh, j'ai beaucoup de peine pour Paul. C'était un chic type, d'une honnêteté scrupuleuse. Et Paul passait un bon nombre de soirées ici, n'est-ce pas? Oh, presque tous les soirs. Et vous n'êtes jamais allé le voir à l'hôpital? Qu'est-ce que je suis censée faire? J'ai un job ici, il ne me reste pas beaucoup de temps. Oui, mais Paul a besoin de quelqu'un maintenant. Il est en mauvaise forme. Allez-vous le laisser tomber? Vous savez ce qu'il éprouve pour vous. C'est Paul qui vous a envoyé ici pour me demander d'aller le voir? Non, pas exactement. Eh bien, vous pouvez retourner lui dire ceci de toute façon. Dites-lui que je ne suis pas sa propriété et que je ne l'ai jamais été. Les choses étaient très bien comme elles étaient, tant que ça a duré. Jamais je n'ai triché avec Paul, je suis honnête en mon genre. Mais dites-lui maintenant qu'il faut que je m'occupe de moi-même. Ah, vous voilà, Rogan. À votre tête, je vois que vous n'avez rien de bien neuf à m'annoncer. Hélas, non, monsieur le directeur. L'audience est commencée. Ouais. Et qu'est-ce que ça donne? Oh, quelque chose d'admirable. Les experts bafouillent, les témoins accumulent les dépositions qui arrachent des larmes de pitié au jury. Et Melkor joue les victimes résignées. Nous sommes cuits, Rogan. Cuits à point. Écoutez, je suis navré de ne pas avoir abouti avant cette audience, monsieur le directeur. Je ne vous fais aucun reproche, mon pauvre Rogan, vous avez fait ce que vous pouviez. Et avec ce Melkor, vous ne pouviez pas grand-chose. Vous avez vu la fille? Oui, elle a plaqué Melkor, c'est un fait, mais elle est toujours disponible. Disponible? Et pourquoi dites-vous ça? Mais d'abord à cause de l'impression qu'elle donne quand elle parle de Melkor. Et ensuite et surtout parce qu'elle ne m'a pas dit que tout était fini entre elle et Melkor. Non, elle m'a seulement déclaré qu'il fallait qu'elle s'occupe d'elle-même. Si Melkor avait assez d'argent, il pourrait la récupérer. Et il est en bonne voie en ce qui concerne l'argent, n'est-ce pas?
Ah, ça oui. Mm-hmm. Attendez, venez jeter un coup d'œil dans la salle d'audience. Ça vous verra immédiatement comment vont les affaires de notre ami. Oui, je vous suis. Voilà! Voilà, mesdames et messieurs, le terrible résultat de cet accident tragique dans lequel un monstre de métal s'est précipité contre une créature de chair. Jadis, Paul Melchor était un homme qui pouvait marcher sur ses deux jambes, tout comme vous et moi. Il profitait de la vie comme seul un homme en bonne santé peut le faire. Mais c'est fini. Jamais plus il ne se lèvera de la position dans laquelle il gît maintenant. Jamais plus il ne fera un seul pas. Il est condamné à rester étendu, là, pour le restant de ses jours, aussi longtemps qu'un sort funeste voudra qu'il reste en vie. Ce cher maître joue sur du velours. Allez, filon, il va me faire pleurer. Regardez cet homme au corps privé de mouvement. Que dis-je de mouvement ? De vie par la puissance aveugle d'une machine et l'inconscience de son conducteur. Qu'il doit être dur, mesdames et... L'éloquence du prétoire me tape sur les nerfs. Ah, après tout, cet avocat fait son métier, il sait ce qu'il faut dire pour impressionner un jury. Je ne lui en veux pas. Non, ce qui me révolte, c'est la tête de Melchor. Vous l'avez vu ? Un peu, oui. Ah, au premier abord, c'est le doux agneau égorgé. Mais si vous l'observez un peu, vous voyez le pêcheur qui a ferré un poisson. Ou le chat qui a attrapé une souris. Ah, c'est même pas ça, c'est la souris qui a attrapé le chat. Il nous a eu et il le sait. Enfin, attendons le prononcé du jugement. Bon, je vais retourner dans la salle d'audience, je vous préviendrai du résultat. C'est ça. Alors, Rogan, nous avons perdu ? Oui. Pour combien ? Le tribunal a chiffré le préjudice de Melchor à 180 000 dollars. Ah ! Ils ont tout de même un peu réduit sa demande. Oui, mais dans son principe, cette condamnation constitue tout de même un vol à l'égard de la compagnie. Ah, évidemment, mais c'est jugé. Ouais. Et en appel, le résultat serait identique, sinon pire. Ah, si vous voyez un moyen de nous en sortir, je vous tire mon chapeau, Rogan. Eh bien, il me semble qu'il est essentiel de ne pas perdre Melchor de vue. Ouais. Parce que je considère d'abord qu'il est intéressant de découvrir comment un type paralysé dépense 180 000 dollars. Et puis ensuite, il finira bien par commettre une faute. Et je vous avoue que j'aimerais bien être là pour le prendre en flagrant délit. Eh bien, allez-y, Rogan, je vous donne carte blanche. La compagnie a les yeux fixés sur vous. Très bien. Je peux prendre Smithy pour m'aider ? Mais bien sûr, prenez tous les enquêteurs qu'il vous plaira. Merci. Alors, Smithy, quoi de neuf au sujet de Gay France ? Elle travaille plus à l'Oasis. Ah bon, ils l'ont flanqué à la porte ? Ah non, non, elle est partie de son plein gré. Ah, et où chante-t-elle désormais ? Elle chante la romance à domicile. Quoi ? Tiens-toi bien, elle a accepté d'être l'infirmière de Melchor. Je voudrais voir ça, alors. Ça lui va comme une cornette à une commère de revue. Oui, mais c'est pas tout. Quoi, qu'est-ce qu'il y a encore ? Tiens-toi toujours bien, Melchor et la ravissante Gay France se sont mariés. Oh, bah de mieux en mieux. Hein? Bah, j'ai l'impression que les bêtises ne sont pas loin. Il y a un truc qui m'étonne dans le comportement de ces deux cocos. Oui. Melchor n'est pas un imbécile, ça tout le monde le sait. Par conséquent, il savait parfaitement que notre compagnie, après le procès, n'allait pas oublier toute cette histoire. Oui. Il n'ignore pas que si nous pouvons prouver qu'il y a eu fraude, nous pourrons récupérer notre argent. Oui, et le fait qu'il épouse Gay France a l'apparence et l'odeur de la fraude. Ah bah voilà. Oui, voilà. Seulement, ça doit être probablement moins simple que ça, tu vois. Ah oui ? En tout cas, Gay France a dû faire partie de ses plans dès le début. Par conséquent, maintenant qu'il a de l'argent, il faut qu'il prenne des risques pour contenter sa belle petite blonde. Très bien. Où vivent-ils depuis leur mariage ? 53e rue, numéro 35. Un appartement de 3 pièces au 2e étage. Bon, merci. Je vais aller voir ça.
Bonjour, Miss Gay. Vous allez bien? Encore vous? Ne me dites pas cette fois que vous venez de la part de Paul. Qu'est-ce que vous voulez? Oh, mais vous êtes ravissante en garde-malade. Chemisier rouge en soie, pantalon collant noir... Je vous ai demandé ce que vous vouliez. Voir Melkor, ma jolie. Bon. Entrez. Une visite pour toi, Paul. Oui, le type qui a prétendu être de tes amis. Il s'est trompé. Qui êtes-vous? Dick Rogan, inspecteur à la compagnie d'assurance New Jersey. Cette chère compagnie qui ne voulait pas me payer mon dû. Vous êtes tenace. Mais vous ne pensez pas que le moment serait venu de me laisser jouir en paix des quelques années qui me restent à vivre? Oh, mais vous êtes bâti pour mourir centenaire, voyons. Vous êtes bien bon de me dire ça, mais vous n'en croyez rien. Qu'êtes-vous venu faire ici? Eh bien, je suis venu voir comment vous dépensez votre fric. Et en quoi? Est-ce que cela vous regarde? Disons que j'enquête pour la série d'articles incroyables mais vrais. Mais j'ai bien peur qu'on ne puisse croire à votre histoire. Que les belles blondes comme Miss Gay n'épousent pas des infirmes comme vous uniquement pour leurs beaux yeux. Gay, mais très dévoué. Ah oui, une vraie dame de la Croix-Rouge pour revue de cabaret. On ne peut pas l'empêcher d'être jolie. Ah. Et l'ennui avec vous autres des assurances, c'est que vous jugez tout et tout le monde en termes de dollars et de cents. Mais il est difficile de penser à autre chose quand on est du côté qui paye. Vous êtes mauvais joueur, Regan. Vous avez perdu et vous ne voulez pas en convenir. Alors, qu'est-ce que vous voulez faire? Rien pour le moment, mais je suis patient, Melkor. Oui, ce qui signifie que je vais vous traîner comme un ange gardien. Voilà. Exactement. À dater de ce jour, je ne vous lâcherai pas d'une semelle. Je crains que ce petit jeu ne soit pas très distrayant. Dès le début, nous avons compris que vous étiez un escroc. Et j'en suis maintenant plus convaincu que jamais. Tout ça pue la mise en scène à plein nez. Mais j'ai déjà l'argent. Exact. Et pour compléter le tableau, une délicieuse vedette de boîte de nuit en sœur de charité. C'est très dur à avaler, vous savez. Vous vous répétez, Organe. De toute façon, il est impossible de revenir sur l'autorité de la chose jugée. Et j'épouse qui il me plaît. J'ai bien mérité quelques petites compensations. Oui, mais ces petites compensations vous perdront. Parce que pour l'instant, c'est assez confortable ici. Rien que vous deux. J'en suis tout attendri. Votre affection fait plaisir à voir. Et qui va savoir si vous pouvez ou non sortir de ce lit? Ou si vous en sortez effectivement une fois de temps en temps? Personne ne le sait. Et bien sûr. Mais vous voyez, Melkor, vous ne pourrez pas continuer comme ça indéfiniment. Oh non. Aussi confortable que soit cet appartement, vous ne pourrez pas indéfiniment vous cacher tous les deux dans ce petit nid. Et surtout, vous ne pourrez pas indéfiniment garder une belle femme comme la vôtre emprisonnée ici. Parce que dehors, il y a des lumières vives, maintenant. Vous avez de l'argent pour profiter de ces choses, n'est-ce pas, Gay? Ne me donnez pas de regrets, Regan. Vous pourriez jouir de tout cela si vous étiez en bonne santé, sans être obligé de vivre dans votre trou. Dites-moi, Melkor, combien de temps pensez-vous que votre jolie femme se contentera d'être votre compagnon de cellule? Vous vous croyez très fort, Regan? Je suis logique, c'est tout. Je vais vous dire quelque chose, Regan, que je ne dirai à personne d'autre. Gay et moi ne resterons peut-être pas très longtemps ici. Ah! Et peut-être sortirons-nous pour profiter de ces lumières vives dont vous nous avez parlé. Ah oui? Ah, c'est bien. Et comment? En fauteuil à roulettes? Oh, c'est sans intérêt. Oui. Mais... je vais peut-être guérir. Ah, alors là, je vous attends au virage. C'est ce qu'on verra, Regan. Alors, Regan, t'as vu Melkor? Eh oui, il m'a amené en bateau comme il amenait les autres. Il a bien l'air paralysé, Oh, ça, alors aucun défaut dans le jeu. Tant que je lui ai parlé, il n'a pas bougé d'un seul frisson. Et il manque pas de pratique pour jouer son rôle. Nous en sommes donc toujours au même point. À présentement, oui. Mais ça va peut-être bouger. Parce qu'il m'a dit qu'il se pourrait bien qu'il guérisse. Ah,
Ça, je voudrais bien voir ça. Eh ben, si tu veux le voir, ils vont pas le perdre de vue. Allô? Ah, c'est toi, Smithy. Qu'est-ce qu'il y a? Il déménage? Mais pour aller où? Quoi? Bon, j'arrive tout de suite. Où est Melchor? Dans la pièce à côté, sur une civière. Ah oui. Oh, vous êtes venu me dire au revoir, Rogan? Alors, ce que j'ai entendu dire est vrai? Que je pars en voyage, oui. Non, pas ça, je veux dire... Ah oui. Oui, cela aussi est vrai, Rogan. Vous ne saviez pas que j'étais croyant? Ah non, et ça m'étonnerait beaucoup que personne d'autre l'ait su. Je veux être croyant n'implique pas toujours que l'on aille régulièrement à l'église. Non, en fait, je suis jamais entré dans aucune église. Je crois pas au rite, mais au plus profond de moi-même, je suis un fervent croyant. Croyant dans les miracles. Exactement. Exactement, Organ. J'ai la foi. Oui, j'ai l'intention de me rendre au pèlerinage de Camafeo et je vais guérir si le ciel exauce mes prières. Oui. Je pense que vous ne serez pas étonné d'apprendre que je ne vous lâcherai pas, Melchor. Mais j'y compte bien. Vous me ferez un excellent témoin. Attentif et non suspect d'amitié pour moi. Constaterez l'excellence des miracles pour la guérison des incurables. Tiens, c'est cher Rogan. Oh, c'est gentil d'être venu jusqu'à l'aéroport. Ah, vous vouliez être certain que je partais? Oui, et pour plus de certitude, d'ailleurs, j'ai retenu une place dans le même avion que le vôtre. Ah, c'est bon d'avoir des amis fidèles. Eh bien, vous avez bien fait d'agir ainsi. Je vous promets que vous pourrez assister à des choses intéressantes. Sûrement, mais tout ce que je demande, c'est de voir comment on peut mettre un miracle à l'épreuve devant un tribunal. Et je serai donc un observateur scrupuleux de tout ce qui se passera à Camafeo. Et si vous commettez une erreur, soyez sûr qu'elle ne m'échappera pas. Oh, comment voulez-vous qu'un pauvre malade fasse des erreurs? Vous êtes très fort, Melchor. Vous avez tout organisé de main de maître, hein? Une tromperie après l'autre. À l'hôpital, au tribunal, et bientôt à Camafeo pour le miracle truqué. Qui vous a parlé de miracle truqué? Rien ne vous autorise à douter de l'existence des miracles. Aujourd'hui, je suis un pauvre paralysé, demain, le Seigneur me guérira. Il m'a donné une infirmité, il peut me l'ôter. Aucune tromperie là-dedans. Oui. Sauf que vous n'avez jamais été paralysé, Melchor. Vous en aviez assez de jouer un rôle, et cela vous paraissait trop long de feindre une guérison. Il aurait fallu qu'elle soit progressive et il vous aurait été beaucoup plus délicat de le faire avec vraisemblance. Et puis n'oublions pas que le procès est tout récent. Alors une guérison venant déjà, bizarre. Ah, oui. Tandis qu'un miracle... Ah, bah bien sûr, tandis qu'un miracle, ça, c'est difficile à contrôler. Et puis c'est rapide. Décidément, Monsieur Rogan, on ne peut pas se passer de vous. Je ne peux pas ouvrir une porte sans vous trouver derrière. Et c'est votre beauté qui m'attire, Miss Gay. Plutôt l'odeur des dollars. Non, l'un va rarement sans l'autre. Melchor est là. Où voudriez-vous qu'il soit? Au dancing? Eh oh, Rogan! Ah. Vous avez entendu? Venez donc par ici. Toujours solide au poste? On m'a dit que vous aviez la chambre à côté de la nôtre. C'est exact. Pour mieux vous surveiller. De plus, je rétribue le détective de l'hôtel pour qu'il me fasse un rapport journalier sur vos faits et gestes. Deux précautions valent mieux qu'une. Vous êtes un sage, Rogan.
Bon, alors, à part ça, que pensez-vous de Camafeo? C'est un joli pays, pittoresque. C'est également mon avis. Mmh. Et cependant, le spectacle de tous ces infirmes en brancard ou sur béquille devrait attrister, mais je sais pas, il flotte dans l'air d'ici un tel sentiment de ferveur, un tel espoir latent. Et je sais pas, il est impossible de désespérer. Hein. On sent que derrière tout cela, il y a la foi. Oui, cette foi que vous feignez connaître. Douterez-vous toujours de ma sincérité? Melkor, rien que votre présence en ces lieux constitue déjà une escroquerie. Que vous voliez ma compagnie passe encore, mais que vous acheviez vos malversations ici, ça alors, ça dépasse les bornes. Quelle véhémence! Oui, parce qu'il y a, comme vous le dites, des tas de gens qui sont venus en ces lieux la joie au cœur. Et vous ferez semblant d'être guéri et vous tromperez tous ces honnêtes malades qui souffrent. Bien, c'est indécent de leur donner une espérance qui sera déçue. Mais ne vous énervez pas, je ne m'énerve pas, je suis indigné, c'est très différent. Votre mascarade me révolte. Allez, prendre l'air, ça vous fera du bien. Là, ne craignez rien, oh là, je ne me sauverai pas. Non, je tiens à ce que le miracle se produise devant vous. Oui. Je vais aller à l'église. J'y verrai de vrais malades. Leur honnêteté me reposera de votre friponnerie. Monsieur l'abbé. Qu'est-ce qu'il y a, mon fils? J'aurais besoin de quelques renseignements. Pourrais-je vous parler un instant? Mais certainement. Venez donc à la sacristie. Que puis-je pour vous, mon fils? Mais je ne suis pas de votre foi, monsieur l'abbé, mais cet endroit m'intéresse beaucoup pour des raisons professionnelles. Qui êtes-vous? Je m'appelle Dick Rogan. Voici ma carte. Je vois que vous êtes inspecteur de compagnie d'assurance. Oui, pour des raisons que je ne puis vous dévoiler, je suis venu à Camafeo pour les besoins d'une enquête. Et comment cela se passe-t-il ici? Vous voulez dire, que font les malades? Voilà, exactement, oui. Enfin, que demande-t-on à ces gens qui viennent en espérant guérir miraculeusement? On ne leur demande rien. Ils prient. Ils récitent quelquefois des prières spéciales, quelquefois seulement les vieilles prières ordinaires. J'entends à la Sainte Vierge. Vous comprenez? Camafeo est une ville sainte parce que la Vierge est apparue ici voilà de nombreuses années. Aussi, nous savons que Dieu a béni cet endroit. C'est un lieu saint. Et les gens prient pour guérir? Toute requête adressée à Dieu est une prière. Et que se passe-t-il? Enfin, guérissent-ils? La prière est toujours bonne. Ce ne sont pas seulement des corps malades qui viennent ici, mais des âmes malades également. Et personnellement, je suis convaincu que les âmes quittent cette ville complètement guéries. Oui, mais les corps? Quelquefois. Un parmi plusieurs centaines. Il y a de nombreuses béquilles accrochées sur les murs de notre église, des béquilles dont leurs propriétaires n'ont plus besoin et qu'ils ont laissées ici comme marque de leur guérison et de leur gratitude. On les appelle les ex-voto, mais Dieu ne fait aucune promesse à ceux qui viennent au pèlerinage. Tout dépend de lui et de son infinie bonté. Mais des miracles se sont effectivement produits ici? Oh oui. Et chaque fois, des médecins ont dû convenir qu'ils ne pouvaient leur attribuer aucune explication médicale. Chaque jour, vous organisez une procession? Oui. Nous partons du centre de la ville. Les malades se joignent à nous, et la procession, grossie de tous ceux qui espèrent, parvient à l'église où se célèbre le service. Vous pourrez voir cela demain. Mes compliments, Miss Gay. Vos initiatives vestimentaires me plongent toujours dans le ravissement. Aujourd'hui, vous avez mis au point un petit habillement d'épouse chrétienne et dévouée qui fera un effet bœuf sur une scène de striptease. Oh, vos plaisanteries sont de mauvais goût, Monsieur Rogan. Ben, ça prouve une chose, c'est que vous avez changé. Elle vous aurait fait rire à l'Oasis. Ah, nous ne sommes plus à l'Oasis. Ah, c'est vrai. Nous sommes à Camafeo en pèlerinage. Votre cher mari va-t-il participer à la procession de ce jour? Certainement. On est venu le chercher, ses porteurs sont là. Tenez, les voilà qu'ils sortent. Ah, bonjour, Rogan. Déjà levé? Vous allez à la messe? Ben, si vous y allez, oui. Vous êtes modérément religieux. Oh, je le suis autant que vous, Melkor. Et pourquoi allez-vous prier, Rogan? Je me contenterai d'être spectateur. Alors je souhaite que le programme vous plaise.
Allons, messieurs, il est temps de me descendre pour la procession. J'entends les chants qui se rapprochent. Vous venez, Morgan? Chose, Rogan. Nous sommes tout à fait à la queue de la procession. Bon, c'est pas la procession qui m'intéresse, mais vous. Ah ben là, vous êtes aux premières loges. Et vous auriez pu vous épargner la fatigue de suivre toute la procession à pied. Ah, moi, étant à votre place, sans aller attendre ma victime devant l'église. Connaissant mon sens des convenances, il était impensable que je me permette de guérir avant la fin de la cérémonie. Un miracle. Je ne peux pas la sauvette. Ah, Melkor, vous me dégoûtez. Ah. Un peu de charité chrétienne à mon égard, voyons, regarde. Quelle prière récitez-vous, Miss Gay? Ça ne vous regarde pas? Ah, vous ne m'aimez pas, hein? Vous ne m'avez donné aucune raison de le faire. Ah, pourtant, chaque fois que je vous vois, je ne manque pas l'occasion de dire que vous êtes jolie. Oui, mais vos commentaires sur ma façon de m'habiller ne me plaisent pas. Oh, bah, est-ce de ma faute si vous n'avez pas le physique de l'emploi? Il ne faut pas juger les gens sur la mine. Ah, très bonne maxime. C'est justement celle que j'applique à votre cher Melkor. Sa mine ne me dit rien. Je le juge sur autre chose. Sur quoi, non? Pas sur sa piété, en tout cas. Eh bien, nous voici arrivés, mon cher Rogan. Mais comme l'église est pleine, on nous a laissés sous le porche. Vous voyez que j'ai eu raison de venir à Camafeo. Les miracles doivent y être nombreux pour que ce pèlerinage attire une telle foule. Ça nous place bien loin de l'hôtel. Oh, mais ça ne fait rien, on entend très bien les chants d'ici. C'était une belle procession, n'est-ce pas? Oui. Dites-moi, est-ce que ça va se passer ce matin? Quoi donc? Ben, le miracle, bien entendu. Ah. Je m'en remets à la bienveillance divine. Mon sort est entre les mains du Seigneur. Oui, mais vous ne répondez pas à ma question, là. Je vous demande, est-ce que c'est pour ce matin? Bah, pourquoi pas, hein? Pourquoi gaspiller le temps de ces gens et le mien? Oh, bon, je pourrais rester une semaine ou un mois ou davantage, comme le font certaines personnes, mais bon, ça n'en sera pas moins un miracle si ça se passe le premier jour de ma présence ici. Alors, Gay et moi, nous pourrons partir et commencer à nous amuser un peu. Pas vrai, Gay? Bien sûr, chérie. Ainsi, tout était prévu dès le début, n'est-ce pas? Vous aviez probablement déjà choisi cet endroit. Eh bien, en fait, Rogan, oui. Alors, vous reconnaissez que vous avez joué la comédie tout le temps? Ça, jamais je ne l'admettrai devant un tribunal. Mais devant vous, je peux le faire. Oui. J'ai joué la comédie. Oui. Vous vous rendez compte, bien entendu, que ce que vous avez fait est malhonnête. Oh, que c'est exactement la même chose que si vous aviez volé la compagnie. Oh, voyons, gars, non. Votre compagnie a des millions. Alors les quelques milliers de dollars que j'ai ramassés ne lui manqueront pas. Hmm? Ouais. Ah, d'ailleurs, je l'ai gagné, cet argent, regarde. Comment? Ah, c'est pas facile de rester étendu immobile aussi longtemps. Oh. Vous savez ce que j'ai fait? Ah ben oui, je peux bien vous le dire maintenant. Là-bas, à l'hôpital, oui. Je faisais de l'exercice toutes les nuits dans l'obscurité. C'était la seule façon que j'avais d'empêcher mes muscles de s'ankyloser dans l'inactivité. Et même comme ça, hein,
J'étais en assez mauvaise condition lorsque le procès était terminé. Ça vous aidait à jouer votre rôle. Peut-être. Ça vous arrangerait bien d'avoir un magnétophone, hein, Regan? Ah, ça, certainement. Mais revenons à votre histoire. Une fois mariés, les choses ont été plus faciles, je suppose. Ah oui. Vous savez, le mariage a du bon et Gay est un ange. Mais... Ah non, je n'exagère pas, Regan. Vraiment un ange. Oui, remarquez, ça fait au moins quelque chose d'angélique dans cette histoire. Vous savez qu'elle a été obligée de me réapprendre à marcher? Non. Ah, mais j'avais oublié comment on marche, j'avais oublié comment on se rase, comment se nourrir, un million de choses. Ah oui, et maintenant ça va? Ça tout à fait bien. Ça, je pourrais me lever immédiatement et retourner à pied jusqu'à l'hôtel. Et c'est ce que vous allez faire maintenant en disant que c'est un miracle. Vous êtes dégoûtant. Mais... Alors, ne soyez pas mauvais joueur, Regan. Je vous ai battu, reconnaissez-le. Félicitez-moi. Oh. Non, vous ne voulez pas. Allez au diable, Melkor. Ah, vous n'êtes pas sport, regarde. Bon, allez, finissons-en. Levez-vous et marchez pour que ces pauvres gars qui nous entourent puissent voir à quoi ressemble un miracle. Ok. Pourquoi pas maintenant? Oui, pourquoi pas. Oui, j'en ai un peu marre de toutes ces superstitions à la gomme. Alors ouvrez les yeux, Regan. De tous vos yeux, regardez. Devant vous, un miracle va se produire. Un vrai miracle du bon Dieu. Abracadabra, salam alek, alagazem et... Eh bien, Melkor, qu'est-ce que vous attendez? Mais levez-vous, voyons que je puisse vous taper dessus. Vous avez peur de moi. Allez, levez-vous! Mais je peux pas. Quoi? Mais qu'est-ce que c'est encore que cette histoire? Je peux pas, regarde! Oh, que Dieu vienne en aide. Mais... Je peux pas bouger. Comment? Je ne peux plus bouger. Oh non, non mais c'est vrai, Melkor. Mais c'est comme un dernier membre. Mais si je pense, je me dis, je vais bouger ce bras, mais rien ne vient. Oh, c'est pas vrai. Rien. Oh, c'est pas vrai. C'est vraiment la meilleure. Oh, j'ai trouvé le de rire, regarde. Alors, mais soyez beau joueur, Melkor. Mais c'est un miracle, voyons. Un fameux miracle, en vérité. Oh, d'autant plus que j'en prévois un second. Oh oui, je vois une austère garde-malade qui va rapidement se transformer en chanteuse de cabaret sous peu. Car, alors là, je serais fort étonné que la charmante Miss Gay accepte de terminer ses jours avec un paralytique. Mais elle va vous plaquer, Melkor. Je veux dire que vous connaissez les mots qui consolent. Ah, vous ne m'épargnez pas. Ah, mais de quoi vous plaignez-vous, hein? Vous avez obtenu du tribunal l'exacte somme qu'il vous fallait pour vous indemniser de votre infirmité. Alors, tout est pour le mieux, non? Tout est pour le mieux. Oh, finalement, vous me faites presque pitié, voyez. Enfin, en tout cas, maintenant, je croirai au miracle. Oui, aujourd'hui, j'ai vu un vrai miracle. Il faut convenir qu'il s'est effectué dans le sens inverse de celui que vous espériez. Mais, après tout... Pourquoi les miracles ne s'accompliraient-ils pas dans les deux sens ?